que vous allez bien. On se retrouve avec Laetitia. Ouais, je fais toujours le même style de présentation, hein, mais ça faisait longtemps, effectivement, qu'elle n'était pas venue sur cette chaîne. Aujourd'hui, on ouvre enfin notre swap de la rentrée des classes. On est le 5 novembre. Elle est en retard, les meufs. Déjà, on est la rentrée, en fait, on a été prise de plein de choses. Mais un truc de fou. J'ai jamais été autant sous. Ouais, j'avoue, cette rentrée était difficile. Et on a... T'avais mis ça en place quand? Mi-août. Donc, avant la rentrée, en fait, moi, je me suis pas lancée avant la rentrée. Oui, voilà. Et du coup, bah, après, j'étais sous l'eau. Elle aussi. Et au final, voilà, on a enfin terminé. Je suis pas complètement satisfaite parce qu'en fait, on s'est rendu compte que faire un swap ensemble, c'était sympa, hein, mais c'est la merde. C'était la fausse bonne idée de l'année, là, parce que... parce qu'on se connaît bien, mais en fait... On se connaît trop. Ouais. Mais du coup, on a... Dès qu'on avait envie de lui prendre un truc, bah parfois non, moi des fois j'achète pour toi, ouais. Ou toi tu trouves pour moi, et on n'attend pas un swap quoi pour le faire. Et parfois elle achète plein de choses que je ne sais pas, hein. Elle ne me dit pas tout. Donc par exemple tout ce qui était livre et tout, moi j'ai galéré, hein, je savais pas quoi te prendre. Ouais, hein. Puis j'en avais beaucoup. J'ai demandé à sa collègue et tout, elle m'a dit non mais elle a tout quoi. Ça m'aide pas ce que tu me dis. Donc bref c'était la galère. Ouais c'était une bonne idée mais une fausse bonne idée. Ouais. En tout cas. On a quand même réussi à faire un truc potable et on l'espère. Dès maintenant, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous voulez nous revoir ensemble. Parce que même si vous nous voyez sur Instagram, hein, je vous mets ici les Instagram, mais on est souvent sur Instagram ensemble, mais en vidéo, ça faisait longtemps. Ouais, donc si vous voulez, vous voulez revoir des vidéos avec nous deux. D'ailleurs, on avait une vidéo, hein, il faut qu'on la fasse un jour. Pendant les vacances, on avait dit qu'on ferait elle dans la peau d'une maîtresse de CM2 et moi dans la peau d'une maîtresse de petite section et on préparerait quelque chose que possiblement on ferait dans ta classe et toi tu me dirais et on pourrait juger, tu vois. Genre, ouais, ouais. On juge l'autre. C'est bien, c'est pas bien, non, c'est nimpe. C'est la merde quoi, que t'as fait. Enfin bref, ça serait une idée à peaufiner plus tard quand on aura du temps. Ouais. C'est-à-dire pas beaucoup. Non. Allez, on est parti. Donc, notre swap, c'était quoi? À la base, elle lance des swaps, Laetitia, sur Instagram. Oui. Depuis qu'elle a découvert les swaps grâce à moi. Et donc, les maîtresses s'inscrivent, les ATSEM, bah, tous ceux qui travaillent dans l'école. Ouais. Ça tourne autour de l'école. Et à chaque fois, c'est un thème, là, de la rentrée. Il y avait aussi, tu me disais, avant les vacances, non? D'été? On a fait un swap d'été et un swap de nouvelle année. Une nouvelle année. Donc, trois dans l'année, elle lance ça, les gens s'inscrivent. Après, elle fait des binômes. Et donc nous, cette année, c'était nous ensemble. Et après, les thèmes, les gens font ce qu'ils veulent, mais ils ont des petites choses à respecter. Voilà, c'était ça. Il y a du style un livre qui peut venir de brocante ou du magasin. Il y avait... Et puis le budget, c'était quoi? 10-15 euros Ouais, je crois que c'était ça. Bah, nous, on n'a pas fait ça. Nous, on n'a pas fait ça, mais en tout cas, ça reste des petits budgets. Ouais, voilà. La papeterie sur le thème de la rentrée, le livre, de quoi se faire plaisir... La papeterie, c'était dans le thème, ça? Je sais plus. J'allais dire, moi, je l'ai pas vu, je t'ai rien mis. Je sais plus. Ah non, un truc utile pour la classe. Oui, utile pour la classe, voilà. Ouais, c'est quelque chose comme ça. En bref, il y a plusieurs thèmes à respecter. Il y a tellement longtemps, je ne me souviens plus. Un truc pour bien-être. Et spécialité aussi. Ouais, un truc pour se sentir bien. Et une spécialité de notre région qu'on fait découvrir à la personne. Donc une gourmandise, un truc comme ça. Ouais. Donc bref, il y a des petits trucs à respecter. Donc nous, on a tenté. Moi, je vous avoue que... Mais bon, pareil. Alors, t'es prête? Oui. Mais il n'y a pas d'étiquette. Bah ouais, celui-là, j'ai pas mis d'étiquette. Parce... Elle a fait toutes les belles étiquettes. Premier que je prends, celui qui a pas d'étiquette. Bah parce que celui-là, c'était celui-là de dernier. Bah, attends, je fais pas, pas trop, fais pas trop. Tu fais tes vidéos, tu sais. Logiquement, l'étiquette, c'est, on va dire, miam. C'est la gourmandise, mais qui n'est pas du tout du Nord. Qui a connu, elle vient du Nord quand même. Oui, donc j'avais dit, bah, mets-moi des trucs de cœur, hein, que tu as mis là. Ah bah voilà, coup de cœur, ça c'est coup de cœur. Des bretzel ou choucroula. Alors je sais pas si t'aimes le sucré salé, mais moi j'adore. Bah je commence un peu après, ça sera l'occasion de goûter. Ça, ça vient d'action, c'est pas un truc de ouf. Et ça j'aime bien. Agrumes et chocolat noir. Ah ouais, donc t'as même fait le sucré salé. Ah j'ai fait des trucs que j'aime bien, mais alors ça vraiment j'adore. Ça, j'aime bien le chocolat noir où il y a un petit truc en plus. La touche de beurre salé, ou voilà. Et là, du coup, agrumes, chocolat noir, je me suis dit, bah écoute, tu me diras ce que t'es, t'as trop, c'est dégueu. Ah, toi, tu connais pas? Non, celui-là, je connais pas, mais je sais que c'est une très bonne marque, et... mais je connais pas cette version-là. Et alors, je sais pas, l'univers me faisait penser un peu à mon thème. Du coup, j'ai dit, vas-y. Bon, bah merci, une dame. C'est pas un truc de fou, mais bon. Donc, mon thème, est-ce que t'as reconnu?
Ah bah oui, mais de toute façon j'ai vu les étiquettes. Attends, montre. Et voilà, c'est le cirque. Et du coup, t'as vu, j'ai mis les étoiles un peu du cirque. Oui, je vois que c'est très étudié. J'ai essayé de réfléchir un peu. Parce que le thème de cette année dans ma classe, c'est le cirque. Ouais, et c'était pas une bonne idée de choisir ça. J'aurais dû faire autre chose en fait, mais voilà. Au début, je me dis, ah vas-y, je vais aller dans le même thème pour lui trouver des trucs pour ça à classer. Mais en fait, c'est pas c'est parce que. Et puis aussi, parce que t'as été embêtée, parce que moi j'ai déjà fait de cirque il y a 5-6 ans, et du coup j'avais déjà des trucs. Bah ouais. C'est pour ça qu'Amélie, elle t'a dit, mais non, ça l'a déjà. Ça l'a déjà. Ouais. Après, j'ai pas tout fait valider par Amélie, donc ça se trouve, j'espère qu'il y a des trucs que t'as pas. Bon, on verra. Alors, je prends quoi? N'importe quel? Attends, ça. En premier, parce que ça va lancer mon thème. Ah. Parce que je lui ai pas du tout fait un swap Harry Potter, parce que Harry Potter c'est bon, déjà elle a des milliards de ouais, trucs. Ouais, moi j'aurais dû faire comme elle aussi. Un truc de mal. Et du coup, j'ai fait un thème. Bah vas-y, ouvre et puis tu vas. Est-ce que le papier cadeau il a un rapport? Ouais. Ah, quand même, t'as fait aussi. Ouais. T'en étais synchro quand même pour ça. Les belles étiquettes, hein, dis donc. Trop beau. Ça fait un peu Harry Potter quand même, le côté emballage comme ça, un peu naturel. Donc voici un livre tout en douceur, parfait pour introduire la classe du dehors. Ah oui, bah du coup les feuilles. Ah ouais. La classe du dehors, je pense qu'il pourra occasionner... Occasionner, c'est ça? Ouais, occasionner. De belles productions. Madame, beau gosse, elle nous a fait ça bien. Donc un livre. Donc voilà, donc le thème, je fais un soir, école du dehors. Ah ouais, mais trop bien. Super idée. Donc c'est un livre de littérature de jeunesse, Quand dehors t'appelle. Oh, intéressant. L'édition Seuil Jeunesse, je connais pas du tout. Je suis ton camarade de jeu, le plus patient, ton ami le plus généreux, l'inventeur le plus créatif qui soit. Je suis là, dis le dehors et tu me manques. Oh, c'est mignon. Et tu l'as lu et tout? Ouais, bah oui, je l'ai lu, hein. Pour être sûr que ça se prête. Parce qu'en fait, j'ai découvert ce livre grâce au conte La Classe Flexible de Madame S, qui est une enseignante belge et qui fait plein de choses en école du dehors et celle qui m'a donné envie de me lancer. Ah oui. Et en fait, elle a présenté ce livre-là. Et j'ai dit, ah, bien, mais enfin, elle l'avait pas ouvert, elle avait juste parlé. Oui, oui. Donc tu t'es dit, je vais regarder un peu à l'occasion. Du coup, je l'ai acheté, j'ai trouvé sur Vinted. Ah, cool. Bah, il est en super bon état. Ouais, ouais, ouais. Genre, t'as barré le prix? Non, c'était déjà. Au cas où tu sais. Bah, non, bah, écoute. Je l'ai trouvé sur Vinted et ben, tu le liras et tu verras que c'est très poétique. Et ben, il n'y a pas beaucoup de phrases, mais elles sont compliquées. Donc, il faut. C'est minimum six, fin de cycle 2. Et donc ça sera bien même pour des CM2 quoi, pour aborder la classe du dehors et, Et je pense que tu pourras faire du... La production d'écrit. La production d'écrit. Ah, trop cool. Ah bah j'ai hâte de découvrir alors. Donc, je sais que tu vas trouver quelque chose à faire. Toujours, on trouve plein d'idées. Bah ça va être trop cool ça. Bon voilà, déjà donc, ça lance le thème du... Ok, bah moi t'as choisi le mauvais paquet pour lancer le thème. Pour un atelier autonome en classe. Alors, tu parles pas? Une boîte. Alors autonome ou pas, ou dans un petit coin en jeu, je savais pas trop comment tu pouvais mettre ça dans ta classe. Par contre, pas trop bien emballé. Oh, sympa. Oui, pour faire, tu sais, peut-être des positions, tout ça, devant, derrière. Ah oui, tu peux aussi, ouais. À côté du chapiteau, dans le chapiteau. Il y a même le petit drapeau qu'ils mettent en haut, il y a des petits personnages. Ah, trop cool. Et bah, Kizia, il adore. Ah bah ouais, bah, ça m'étonne pas de lui. Ouais, il aime bien tous les petits trucs comme ça, les personnages. Ah ben parfait, ouais ben exactement. Alors c'est petit, j'aurais préféré trouver plus grand, mais j'ai pas trouvé non, plus non, grand. Non, mais écoute, pour faire un atelier de position et tout, c'est bon, j'ai des idées. T'as des idées, moi c'est parfait. Attends, tu as bien fait. Pour ceux que ça intéresse, ça vient de Sostrengren. D'ailleurs, j'ai laissé le prix. Hein. Ah oui, il est sympa, c'est vrai. Bah, c'est l'étiquette entière. Ah, ça va, c'est raisonnable comme prix. Bah, c'est 7 euros, ouais, vous le savez maintenant. Mais du coup, c'est tout en bois, petits personnages. Ça fait comme 50 francs. Qui pense encore comme ça? Les vieilles. Bah non, pardon. Bah, on est presque la même génération, mais je pense plus en France. Non, mais du coup, j'ai trouvé. Ça va, c'est comme j'ai pas trouvé beaucoup de trucs sur le cirque, c'était un peu la galère. Je dis, ah, vas-y, j'ai trouvé un truc, je prends. En plus, qu'est-ce qu'il y a? Celui-ci, c'est bon? Tu valides? Ouais. Alors, des petites douceurs du Nord. Ah. Donc toi, tu vas faire découvrir des trucs du Nord ou pas? Ouh. Bah non, je connais pas. Hein. Je les ai déjà vus ça au magasin ici dans le coin, mais j'ai jamais goûté. Des tendres nougats, des ducasses pistaches. Qu'est-ce que c'est une ducasse? C'est une fête foraine. Ouais, ouais, j'ai appris ça quand je suis arrivée dans le Nord. Parce que chez nous on dit fête foraine ou... Une foire. Ou une foire, mais encore foire on dit pas trop. Hein. Non, j'ai foire ou ducasse. Ah oui, ça, les bêtises de Cambrai, je connais, mais pas ceux-là, ceux qui sont colorés là. Mais là, c'est de la recette originale. Ah oui, donc c'est à la menthe ceux-là. Ok, bon, ça c'est typique d'ici aussi. Et il y a encore un truc, mais tu t'es pas arrêté. Et un thé.
Alors ouais. Ça c'est pas du Nord, c'est parce que quand je suis passée à Auchan, il y avait un gars qui vendait du thé. Et en fait, c'était le jour pour le cancer du sein. Et en fait, il reversait une partie. Une partie. Et comme toi, je sais que t'aimes bien de faire des thés, et notamment des thés glacés. Ouais. Et là, c'est possible. Ah bah oui. Et oui. Infusion, donc fruité et floral. Et donc, tu peux faire en chaud, froid. Ouais. Ah, trop bien. Ou tu pourrais faire frigo, des chauds pour tes élèves quand t'es dehors. Ah ouais, c'est une bonne idée. Blondie, elle le fait. Blondie teacher. Et donc, ils boivent un petit verre d'infusion comme ça. Un petit verre d'infusion. J'ai jamais pensé elle à faire un thermos. C'est vrai que j'aurais dû prendre un thermos. Il n'y a pas de thermos. Non, j'en ai un, alors, dans ma classe. Et il boit un petit verre de thé. Elle a même une recette, enfin, il faudrait que... Ah bah je regarderai. On demandera à Christelle. Bon. Je veux voir la photo sur Instagram. Qu'est-ce que tu m'as... Ça c'est pour te détendre. Me détendre. Ah. Ah bah ça fait partie du cirque. Un masque du cirque. Avec le cirque. Bah, je le ferai peut-être demain, avant la reprise de l'école. Ah bah écoute, comme ça tu seras bien détendu avant d'aller au travail. Ça vient de chez Tiger, donc le Tiger Tiger devient Tiger. Ah ouais. Non pas Tiger, n'importe quoi, je vous dis des bêtises, ça vient de chez Normal à Lillenium. Ah oui. J'aime bien ce magasin aussi. Bah moi j'aime bien ce magasin mais il est chiro quand même. Bah c'est un peu plus cher qu'Action. Ouais c'est plus cher qu'Action. Voilà, après il y a des moi, trucs, je m'attendais à avoir des prix un peu comme plus... Action quoi mais... Ah ouais, après moi je prends des trucs qu'on trouve pas ailleurs, enfin j'essaie de trouver des petits trucs que... Bah là-bas moi j'avais acheté c'est le mascara mais pour cacher les cheveux blancs. Oui, tu l'as utilisé? Ah ouais, j'ai fini. Ah ouais, parce que tu vas beaucoup marcher pour prendre soin de tes petits pieds. À l'école dehors on marche beaucoup. Hein. Oui, je suis d'accord mais c'est de devenir plus spécifique. C'est pas un truc c'est plus... Bah ouais, des trucs pour racler les pieds, tout ça là, des petites crèmes pour les mains, des pieds... Mais t'as triché hein! Bah non! Oh. Bah si, t'as mis plein de cadeaux ouais, hein! Mais ça, c'est pas grave. Ah, c'est trop bien! Alors ça, je les ai déjà, mais c'est pas grave. Ouais, je m'en doutais un peu. Bah, Action, ouais. Ah ouais, celui-là, j'adore! Bah, tu sais que j'adore les trucs pour les petits comme ça. Ouais, j'ai vu dans la vie il y a pas longtemps. Ouais, j'adore. Ceux-là, ils sont très bien. Ah, ceux-là, je connais pas. Mais j'en ai beaucoup entendu parler. Aussi. Ouais, mais j'en ai entendu parler. Il paraît que quand on met ça, après une semaine après, on a les pieds qui. Pèlent. Qui pèlent, non? C'est pas ceux-là? Peut-être pas. Je sais pas, écoute, est-ce que c'est cela ou pas, on verra. Mais ça, je connais pas, mais qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est pour masser tes pieds. C'est trop cute, là. Alors ça, c'est à Lillenium, au magasin... Il y a un magasin qui vend tous des trucs qui sont un peu kawaii et tout. Ouais, c'est ça. Bah, ça vient de là. Ah, mais c'est trop fort. Mais en fait, tu poses et puis tu avances, tu mets ton pied. Donc là, j'ai avoir des pieds au top pour pouvoir faire les classes du dehors, quoi. Voilà, tu pourras marcher beaucoup, beaucoup. Mais ça va faire... C'est trop marrant. Mais c'est trop marrant. Ça j'avais pas, alors j'ai jamais testé, ça va trop, on va trop s'éclater. Ça j'en parle, je montrerai sur Instagram. Voilà. Pour ceux qui veulent aussi, pas voir je vais faire une démonstration sur Instagram. Trop cool. Ah, tu galères trop l'été pour préparer ta crèche, je vais te le prendre pour ta maison. J'ai mis je veux. Je devais te. Ah, c'est même plus lire. Je devais, c'est parce que j'ai dit. T'as dit je vais te le prendre. Ah, pardon. Je devais te le prendre dans ta maison. Je devais te le prendre pour ta maison. Donc il doit rester à la maison. C'est un peu grand, désolé, mais c'est quand même pratique. Ah. À chaque fois, je dis ben non, je dois aller à l'école pour couper ça. Ouais. Vous savez, les maîtresses qui sont par ici, quand vous plastifiez tout ça, toutes vos fiches pour la rentrée, elle découpait aussi tout comme ça, tout. Ou elle faisait faire par ses enfants. Ouais, c'est ça, j'avais envie de couper. Et je lui dis, t'as pas de petit massicot pour la maison? Enfin, non, faut que j'aille à l'école. Fallait que j'aille très tôt. Ouais, alors, il est un peu grand, mais comme ça, quand t'es grande feuille, t'es à 3, oh, t'es machin. Non, c'est parfait. Merci, madame. Ça va servir. Juste maintenant, j'ai la relieuse et tout. Donc... Voilà, t'as tout là. Mais celle-là, tu laisses à la maison, hein? Oui, celle-là, je laisse à la maison, oui, madame. Donc hier, elle a été chez Emma. Voilà, à la base, j'avais fini le soir. Ouais, en plus, alors. Et hier, je suis allée me balader avec Delphine. Delphine, comme ça, tu sais. Oui, c'est bon, là, je sais Delphine. Parce que je l'ai croisée quand même. Là, si tu passes par ici, Delphine, on t'embrasse. Passe un super après-midi avec toi. Et elle voulait aller chez Emma parce qu'elle vient de Nîmes et à Nîmes, il n'y a pas de Emma. Et en fait, j'ai vu ça et j'ai dit non, mais c'est trop beau, faut que je lui prenne. C'est trop, trop beau. C'est trop beau. En fait, il y a deux choses que j'ai prises. Donc ça, et puis un autre truc que tu vas voir. Donc c'est censé être beau, donc peut-être la déco ou... Non, c'est beau et utile normalement. Mais ça casse, regarde. Ça casse. Hein. Et donc j'avais la flemme de l'emballer et du coup j'ai laissé dans le sac. Waouh, mais c'est magnifique. Donc c'est pour ma classe du dehors encore une fois. Ah oui, je suis restée dans la thématique. Donc oui, effectivement c'est en vert. Donc j'ai intérêt à faire gaffe. Tu sais, moi je suis un peu boulée quand même. C'est gros quand même. Hein.
C'est sans sel. Ouais, mais aussi, tu fais ton thé et tu te le sers. Ah oui. Là-dedans. Non. Ouais, dans un autre truc. Elle est belle, hein. J'avoue qu'elle est magnifique. Alors, je sais pas si je vais réussir à vous montrer, mais il y a des petits animaux, des petits ours dessus. C'est tout petits champignons, des écureuils. Donc très dans l'automne. Ouais, c'est ça. J'avoue que c'est magnifique. Ça fait école du dehors aussi. Ah bah, grave, grave. Tu pouvais pas le laisser. J'avoue que c'est bien dans le thème. C'est vrai, c'est dans le thème. Mais du coup, la fille me dit, bah t'as pas fini. Bah ouais, j'ai bien fini, mais c'est trop bon. Non, mais t'as abusé là. Canon, non. Attends, attends. Tu t'y devines pas comme ça? C'est un boulet de canon. En fait, c'est une carte qui rentre dans un canon. Ah oui, donc elle est vraiment dans le cirque dans sa tête. Hein. Bah oui. Ah bah. Mais non. Ah bah, il faut que tu sois au top ou pas? Ah, ça tue. Allez, tu dois la mettre. Ah, bah j'espère que je la ferme. Bah, j'ai pris une grande taille. Ouais, mais bon, même. C'est 2XL, non, je crois, les Ouais, 2XL. Attends. Dis pas trop la tête parce que si je le ferme pas, elle va dire putain, 2XL, elle est canon. Comme ça, elle aura vraiment l'air d'une vraie. Comment ça s'appelle d'ailleurs ceux qui ont ça dans le cirque? C'est vrai? Mais si, ça va passer. Non, c'est pas grave. Après, c'est vrai que c'est censé être. J'ai pris, je crois, la plus grande taille. C'est censé être cintré vu que c'est. C'est Monsieur Loyal. Ah, voilà, je cherchais le nom. Quand j'ai vu, j'ai trop pensé à elle, j'ai dit vas-y, on est obligé. Tu vois, avec un pantalon noir là, à la fin de l'année. J'ai pas fait des trucs de ouf dans notre sang parce que j'ai dit. Ça. J'ai trouvé trop canon. Tu l'as pas ça, j'espère. Bah non. Pour ton spectacle de fin d'année, t'es obligé de présenter bah le spectacle oui, je comme pensais ça. Que ça allait être ça parce qu'il y a écrit là-bas pour ton spectacle de fin d'année. Non, ça c'est un autre truc. Donc moi je pensais que t'allais me déguiser en clown. Ah non, quand même un peu plus haut de gamme. Ah, ça ferme! Ça ferme! Mon mauvaise langue, tu vois, j'ai bien calculé mon coup. Ah, si, ça va être nickel! Bah, c'était pas mauvais, hein, c'était réaliste. Je fais pas tous les milliards de boutons, mais. Ah, ça tue! Elle est belle, hein! Attention, mesdames et messieurs! Dans un instant, ça va commencer! Je vais avoir trop la classe. En plus, je vais pouvoir la mettre quand on va faire la restitution sous le chapiteau du cirque. Ah, ouais, tu vas être trop belle. Là, tu peux le plier si c'est un peu long. Ouais, t'inquiète. Comme ça, on a. Mais je la trouvais trop belle. J'ai dit, vas-y, faut que je trouve ça, faut que je prenne ça, c'est obligé. Ah ouais, ça tue. Trop bien. Tu seras obligé de faire le thème du cirque encore quelques temps dans 5 ans, tu sais, tous les 5 ans. Ouais, régulièrement. Bah après, c'est un thème qui fonctionne super bien. Mais grave, il y a trop de choses à faire en fait sur ça. Bah c'est oui, juste que dans les magasins, on trouve pas beaucoup de trucs. Hein. Oui, pour tous les âges. Alors, pour mettre par écrit tes inspirations. Ah, la papeterie du coup. Bah ouais, parce que je pensais qu'il en fallait. Bah, il n'y avait pas écrit dans tes trucs. Moi, j'ai revérifié, tu vois, parce que j'avais un doute. En même temps, j'ai pas trouvé de papeterie cirque. En fait, cirque, c'est un bon thème, mais j'ai pas trouvé des produits ouais, dérivés. À ce moment-là, il faut. Ouais, oui, tu vois ce que je veux dire, quand je cherchais des produits dérivés, ou sinon, ça mettait 3 semaines à arriver, 4 semaines, et comme on était team, dernière minute, bah, j'ai pas trouvé, du coup, j'ai lâché l'affaire. Alors, ouh, il y a plein de trucs. Du coup, sur le thème de la jungle, de la forêt, des trucs comme ça, j'imagine. Ça, c'est le deuxième truc que j'ai trouvé à Emma. Ah, tu l'as glissé dedans? Ben ouais, j'avais déjà tout emballé. Trop mignon. Il est pas trop mignon. Mais ouais. Eh bien, mes enfants vont voir. Kayla va vouloir me le piquer, ça. Donc, il y a du washi tape un peu forêt, comme ça, un peu jungle, dans une tonne vert. Oh, c'est trop mignon, ça. Quand le dehors t'inspire. Ah, ouais. Mais c'est toi qui l'as. J'allais dire. Bah oui. C'était pas comme ça, c'était pas possible. Non, il était vide. C'est moi qui l'ai fait. Ah, trop bien. Donc, c'est pour ça que je voulais que tu sais, pour faire le rappel, quand le dehors t'appelle. Oui, du coup, après, ouais. On écrit dedans. Ça pourrait peut-être aussi être notre cahier. Quand le dehors t'inspire. C'était bien. Des idées pour quand tu fais tes écoles de dehors. Ouais. Des activités mais qui fonctionnent ou pas. Ouais, ça rappelle le bouquin. Oui, oui. Trop fort. Et du coup, les petits stickers pour, ouais, voilà. Pour animer nature, dedans. Quoi. Voilà. Et puis un ça, c'est les stickers action, j'adore. Ouais. Je les adore, celle-là. Et puis ça rappelait la nature. Il y en avait un autre, mais ça faisait plus vieillot. Trop beau. Non, mais trop beau. Elle a tout prévu, quoi. Le stylo, le washi tape, tout, quoi. Ouais, elle gère grave. Oh, faut pas faire un swap avec elle. Pour ton spectacle de fin d'année. C'est un petit truc. Peut-être que t'en as déjà, mais comme je sais pas ce que t'as acheté dans ta classe. Ou pour un atelier avec tes élèves. Ah oui, on en a à l'école. Mais ça sert toujours parce qu'on en a décraqué en plus. Ah bon. Après, il y en a pas 25. Hein. Mais si, c'était pas. C'était la classe d'Oran où j'avais fait une danse avec des foulards. Oui.
Ouais, et ben il y en avait certains qui étaient craqués à l'époque, je me rappelle. Bah oui, là, je sais pas, il y en a. En plus, c'est beau, c'est jongler aussi. Bah, dans le cirque, tu vois, des trucs comme ça. Où tu leur apprends le tour de magie, où ils mettent le foulard dans leur main, dans leur petite main. C'est ça. Ah, super. Faire le foulard. Ah, bah, ça va être utile aussi, tu vois. Pour ta classe. C'est le seul truc bien qui était dans mon sac. Non, tu veux pas le regarder, les foulards. Le petit jeu, moi, je kiffe trop le petit jeu. Bah, ouais, mais Félix, je pensais trouver plus de choses, mais après, je me suis dit pourquoi j'ai fait ce thème. Parce que t'as voulu me faire plaisir. Bah ouais, mais bon, c'était pas à la hauteur de ce que j'aurais voulu. Mais bon, la veste, moi, heureusement, ça te va. Le reste de l'année, tu me gâtes le reste de l'année. Bah alors, le gros livre, on voit que c'est un gros livre. Alors, qu'est-ce que t'as mis comme indice? Un livre pour montrer la beauté de la nature. Ah, en mode livre documentaire. Oh, il a l'air magnifique. Ah, je le montre à l'envers. Oh, trop, trop beau. Alors, ça s'appelle comment? Nature, l'anthologie illustrée de la nature extraordinaire. Et il en a existé un sur les animaux. Ouais. Il est magnifique. Il y en existe 3, 4, je crois. Et alors, comment c'est dedans? Vas-y, regarde. Waouh, c'est magnifique, hein. Mais grave! Je pense que des élèves comme Maël. Ah, bah là, ça va être sa Bible. Ça va être sa Bible, hein. Pendant le quart d'heure lecture, ils vont. Oh là là! En fait, c'est des choses pas connues. Ah oui, oui, oui. Ah bah ça d'ailleurs, est-ce que tu sais pas ce que c'est? C'est la Ginelle. Mettez en commentaire si vous connaissez. C'est la Ginelle, ouais. Si vous connaissez, vous nous dites parce que. Ouais. Et du coup... donc, mais les designs, ils sont vraiment magnifiques. Hein. C'est une pièce de collection, le livre. Hein. Il est magnifique. Et je trouve que ça rappelait aussi, même si je voulais pas faire Swap Harry Potter, ça fait un peu sorcier, oui. Tu sais. Oui, oui, bah dans l'idée du vieux livre, un peu. C'est ça. Il est trop beau. Trop, trop beau. Ah bah moi, le livre que tu vas avoir après, c'est pas ça. Hein. Bah c'est là que j'ai demandé pour le livre, j'ai demandé à Amélie et sa collègue du coup, et elle m'a dit non, mais elle m'a même pas donné d'idée en fait, elle m'a dit c'est pas possible. Ce n'est pas une révélation, mais tu as déjà tout. Ça tu pourras leur laisser à disposition, moi je le lis à mes enfants, mais c'est pas le livre du siècle quoi. Ah et bah tu vois, je l'ai pas. Mais non. Je te jure, je l'ai pas celui-là. Et j'ai failli, sur Give, je crois qu'il y a quelqu'un qui le donnait. Et j'ai failli. C'est moi qui l'ai pris. Non, après, ça aurait pu. Bah oui, mais. Et j'ai failli aller le chercher, mais c'était un peu loin. Je vas-y, je fais pas tout ça. Ah bah heureusement, t'as pas été le chercher, tu vois. Il était là, il t'attendait. Ah bah, il est pas mal, moi j'ai déjà lu. Je l'avais étudié quand j'étais en CP et que j'avais fait le cirque en CP avec mes élèves. Bah oui, il est un petit peu abîmé, mais c'est un don. Hein. Je l'ai eu sur Vinted. Ah, je pensais que c'était à tes enfants qu'il avait. Ah non, moi je l'ai déjà. Non, non, j'avais déjà, mais j'allais pas te donner le mien. Donc je l'ai trouvé sur Vinted pas cher. Je me dis, vas-y, je vais le reprendre. Bah ouais, t'as eu. Mais j'ai pas, je t'ai dit, j'ai demandé à Amélie des. Je voulais des trucs un peu plus tatata, mais. Pour ça, des fois, j'ai fait même des envois. Je dis, t'as ça, ce livre-là? Est-ce que t'as ce genre-là? Est-ce que t'as des documents, des documentaires sur le cirque? Oui, oui, j'ai déjà. Bon. Même pas, elle m'a dit, genre, je me suis dit, en lui disant ça, elle va m'envoyer un livre, genre, tiens, mais ça, j'ai pas. Non, même pas, m'a donné un truc pour m'aider. Je réclame. Bah ouais, mais t'aurais pu m'aider. Moi je savais pas ton thème, donc je pouvais pas te réclamer des trucs. Oui, et le seul truc que je t'avais dit c'était ça sera pas Harry Potter. Bah ouais, c'est tout, mais du coup j'avais pas pensé du tout à la classe du dehors. Il en reste encore un énorme. Non mais tu m'as trop gâté, Laetitia, t'abuses. Hein. Oh mais là ça fait genre grand, mais tu verras. Donc c'est... Voilà qui pourra te servir pendant tes séances d'école du dehors. Ah, une bâche. Tu sais que la dernière fois j'avais parlé aux parents. J'ai dit, ah, j'aurais dû faire comme Laetitia, acheter une bâche. Du coup, bah j'ai même pas été voir. Et une bâche pour mettre par terre pour qu'on puisse s'installer. Il y a un autre truc. Qu'on puisse s'installer. Bah, tu vois, je voyais même pas les bâches comme ça dans ma tête. Ah non, mais c'est une vraie bâche. Ça, c'est du glam. Bâche. Ça, c'est du glam glam. Ouais, c'est une vraie bâche. Ou en mode camouflage. Là, c'est vert et foncé, genre en mode nature. On est prêt pour faire l'aventure. Grave. Et du coup, bah, c'est parfait parce que j'en voulais une. Ah, mais c'est pas fini. Mais c'était pourquoi j'en voulais une. Grave, c'est des déchets. Que tu ah ouais, c'est vrai. Où ta pince. C'est vrai. J'ai dit, on en a parlé. Regarde un truc. Ah. Putain, il est où? Ah bah voilà. Oui, je l'avais dans la main. J'allais chez le. Et la dernière qu'elle a trouvée chez Noz, non? Ouais. Ah bah bien. Mais t'as trouvé ça chez Noz, c'est trop fort. Elle a trouvé donc une petite pince comme ça. Et oui, pour les déchets, parce que c'est vrai que. Ce serait plus pratique pour les déchets. Parce qu'elle avait vu que j'avais utilisé une pince, elle me dit ah, mais tu l'as eu et tout. Trop fort. Et donc j'ai trouvé après chez Noz. Et elle m'a mis des petits gants. Du coup, ça c'est vraiment les miens. Hein. Ouais. C'est des gants de filles. Hein. C'est trop bien. T'as trouvé ça aussi chez Noz? Ouais. Trop forte. Et c'est Madame Bonpoint, Laetitia. Eh, ils sont pas mal. Hein. Ouais, ça sert à quoi ça? Je sais pas.
Peut-être pour accrocher là. Ah ouais, peut-être après quand t'as terminé, tu les accroches. Super. Mais ils vont aller dans mon sac de classe du dehors du coup. Hein. Plus qu'à me faire un sac personnalisé, hein. Je vais m'acheter un autre cabaya pour la classe du dehors. Bah ouais. Bah tu sais qu'en plus j'ai failli. Je voulais aussi te prendre un sac à dos dédié, tu vois. Oui. Tu vois, quand moi à l'école j'ai mon sac à dos, c'était mon père qui me l'avait eu. Qui avait acheté un en plus. Et il me l'avait. Ah ouais. Ah moi j'ai pris le sac Basic Fit. Et oui, j'avais vu que t'avais pris ce sac là. Ouais, bah en plus c'est écrit Basic Fit. Bah ouais, je sais, c'est genre je vais faire du sport, mais non. Mais du coup, ouais, faudrait que je trouve un petit sac où je pourrais le personnaliser. Ouais. Tu vois, avec écrit plus de un truc comme ça. Bon, on va attendre quand même d'être sûr que ce soit un thème que j'ai envie de reconduire, parce que sinon. Si. Ouais, mais c'est vrai que pour l'instant, on est conquis. Tu verras. Et alors, le dernier qu'elle savait un petit peu, c'est un pull plaid. Du coup, ça n'a rien à voir avec le thème, mais elle le voulait, elle m'a dit mets-le dans le soir. Donc, je ne l'ai pas emballé. Bah, parce que ça pourra me servir à l'école, parce que moi, dans mon bureau de direction, il caille à mort. Mais un truc de fou. Mon ancienne secrétaire, donc il y a quelques années, quand on avait encore des secrétaires. Attends. Des aides administratives. Des aides administratives, elle avait carrément ramené un chauffage électrique de chez elle. Et là, elle l'a récupéré parce qu'elle n'est plus à l'école, c'est normal. Du coup, elle a froid. Et donc, elle a pensé. Bref, on sait pas où ça s'est arrêté, ça a coupé, mais... En tout cas, j'ai un beau pull plaid. Ouais, et on montrait, je sais pas si ça a coupé, mais c'est en mode vraiment pull, des petites poches. Et que là, il y a des poches. Il est méga doux, ça reste sa couleur préférée. Et... Ah ouais, j'adore cette couleur. Et là, elle disait qu'elle va rentrer et... Je vais l'enfiler direct. Et que ça va me servir aussi à l'école, parce qu'à l'école, il caille. Ouais. Et j'avais vu ça chez Elsa et sa classe, en fait, qui avait fait une story en disant qu'elle aussi, il faisait super froid à l'école et qu'elle avait mis ça. C'est vrai que c'est une bonne idée parce que du coup t'es pas handicapé, tes bras ils peuvent faire des choses c'est ça. Tout en ayant chaud. Voilà. C'est pas comme un plaid où ça glisse toujours de l'épaule ou un truc comme ça. C'est vrai que dans l'idée il est bien en qualité. Hein. Je vais aller voir pour moi. Bah ouais. En plus je t'avais envoyé un lien où il y avait. Ouais, il y avait Harry Potter. Ouais, ouais. Mais moi j'ai peut-être chauffant. Harry Potter c'est bon, non. Bah ouais, c'est ça. Elle en a marre que je parle d'Harry Potter. Non, c'est pas ça, c'est même pour toi. Hein, de toujours. Non, avoir... oui, mais là c'est sympa. Ce hein, c'est sympa. Mais c'est parce que moi, tu sais, j'aime pas refaire les choses d'une année sur l'autre. Et là, ça fait combien de temps que tu le fais? 4 ans. Même si tu te renouvelles dans l'intérieur, dans tes activités. Mais ça reste quand même l'école des sorciers que t'es obligée de faire. Ouais, bah ouais. Enfin, j'arrêterai sûrement, mais quand? Bah, elle est condamnée. Hein. Parce qu'à l'école, tous les enfants, ils savent qu'en CM2, ils vont à Poudlard. Donc si elle arrête, elle va créer des dépressifs. Créer des dépressifs, c'est pas mal. Bah, j'avoue que ma fille, déjà, elle est en CE1 et elle attend. D'ailleurs, elle dit... Il y aura Oran qui va arriver et après, il y aura Kezia. Ah, donc non, déjà, jusqu'à ce que Kezia arrive en CM2. Après, j'arrête alors. Mais ça, j'arrête. Bon, voilà, c'est terminé pour ce swap. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-nous tout dans les commentaires. J'imagine que vous avez préféré ce qu'elle m'a offert parce que ça déchire sa mère. Des fois, comment tu m'as gâtée, mais non, elle dit n'importe quoi. Non, mais à chaque fois, et j'ai quand même une veste de monsieur loyal. Attends, c'est le syndrome de l'imposteur, tu sais, qui arrive. J'ai l'impression de pas avoir assez gâté la personne. Bon, mais si bon, t'es si t'es contente de la veste, déjà, c'est le mieux. Hein, moi, ma veste. Mes coups de cœur, c'est la veste et le petit jeu là. Le petit chapiteau. Le petit chapiteau. On voit. Ouais. Bon, bah écoute, tant mieux. Donc, tu vois, et puis bien sûr, le plaid, mais ça, je savais qu'il allait arriver. Mais la veste, franchement, je suis trop choquée. Et les foulards aussi. Chez les foulards, on en avait des craqués. Donc ça va servir même à toute l'école. Ouais, ça va servir pour tout le monde. Ça servira dans votre moment de mise en place de petits ateliers. Ouais, voilà, c'est ça. De cirque, on va dire. Je sais pas comment vous allez faire ça. Mais... Du coup, ils ont un intervenant cirque. N'hésitez pas à aller la suivre sur Instagram. Et YouTube, pas du tout, parce qu'elle veut plus faire de vidéos YouTube, mais sur Instagram. En fait, j'aimerais bien à chaque fois me lancer, mais. Ça prend plus de temps YouTube que Instagram. Et franchement, j'oublie de me filmer. Ouais, et puis t'es plus Instagram, toi, t'es le truc instantané, tac, tac, ouais, tac, c'est tac. Ça. Et du coup, bon bref, vous verrez ça sur son Instagram si elle fait des petits trucs sympas. De toute façon, elle va faire des trucs sympas. Et moi, à ton coup de cœur, il y a trop de choses trop bien. Ah, bon, les gourmandises, évidemment. Hein. L'âme d'une gourmande en moi adore. Le livre, il est magnifique, même l'autre, il a l'air super intéressant. Les livres, j'adore. Dans la classe avec les CM2, ça va être trop trop bien. Mais tout est bien. Tout est bien, tout est bien, moi, tout je est suis bien. Contente, la gourde, elle est trop trop belle là. Ouais, la gourde. Elle est canon, mais. C'est du dernière minute. Hein. Ouais, grave, mais elle est trop belle. Oh, je pense que vous ne voyez pas à quel point elle est belle. Elle est toute en doré. Elle est trop trop magnifique. Mais voilà. Mais je ne peux pas la laisser. Bah, j'avoue, elle est pile dans mon thème. Ouais, j'avoue, ça a été la touche finale quoi. Ouais. En tout cas, au top. Et j'avais pas de stylo dans ma papeterie et ça m'embêtait. Et là, quand j'ai vu le stylo rouge. Ouais, du coup, t'en as profité, t'as dit tac tac. Voilà, comme ça, c'est complet.
En tout cas, vous voyez dans ces stories, toutes les maîtresses et les autres personnes qui travaillent à l'école, qui participent au swap, bah, Laetitia, elle partage à chaque fois les stories. Du coup, vous pouvez avoir des petits aperçus de ce qui s'est envoyé. Ouais, il y a des trucs trop sympas. Ouais, grave. De toute façon, en général, tout est sympa. Mmh. Quand je vois... En tout cas, trop contente. Oui, merci. Et puis encore merci pour hier, parce que j'ai encore été gâtée hier à mon anniversaire. Ouais, en plus d'un super lave-vaisselle qui me rend service tous les jours. Grave. Moi c'était bon, moi j'ai pas de cadeau pendant 10 ans là. Non, on pouvait pas venir sans cadeau du coup. C'est bon, t'as mis ton mascara aujourd'hui? Oui. Ah. Oui, oui, j'ai utilisé la mousse nettoyante, même si j'avais pas encore fini l'autre, je voulais trop l'essayer. Et ça, elle est hyper... Elle est mieux? Ah ouais, tu sens. Ah ouais. Déjà la mousse, elle est un peu compacte, tu sais. Ouais. Elle est super agréable. Bon bah tant mieux, elle coûte cher aussi. Mais c'est pas moi qui l'ai payée, mais elle coûte cher. Bah ça se sent. Ouais, c'est les produits coréens sont des bons produits. Hein. Je vous renvoie vers mes vidéos produits, unboxing, tout ça, où parfois bah, y a des choses que je commande pour elle. Sur ce, on vous fait des gros bisous. On vous attend dans les commentaires pour lire tous vos commentaires. Enfin oui, je me répète un peu, mais... Alors, j'espère que la rentrée s'est bien passée pour vous. Voilà, vous nous racontez tout ça dans les commentaires et on vous embrasse. Bisous.